Maintenant, je vais vous expliquer un fartage de course. Donc, la première étape va être la base. Donc, la base, c'est un fart solide. Moi, je vous conseille d'utiliser un fart HF, là où il y a beaucoup de fluor dedans. Pourquoi ? Parce que ça va vous faire une protection hydrophobe, ce qui va limiter la friction entre votre ski et la neige. Il en existe toutes sortes. Il y a du bleu pour le froid ou du jaune pour le très chaud pour la fin de saison. Ça sera à vous d'adapter votre fart en fonction de vos conditions. Pour l'appliquer, c'est souvent marqué sur les boîtes. C'est le degré du fer qu'il faut utiliser. Ça, c'est important de le respecter. Parce que si vous ne le respectez pas, vous risquez de brûler votre fart. Et du coup, le fluor risque de s'évaporer. Dès que vous utilisez un fart avec du fluor dedans, c'est important d'utiliser un masque parce que c'est nocif pour la santé. Maintenant qu'on a le masque, on peut appliquer notre HF en toute sécurité. Donc ça va être pareil que tout à l'heure sur la base. On peut soit l'appliquer en crayonnant, soit on peut l'appliquer en le faisant couler. Toujours sur toute la longueur du ski. Et ensuite, on passe le fer pour pouvoir bien l'étaler sur toute la longueur et aussi sur toute la largeur. Soyez encore plus attentif que sur une application de fart d'entretien parce que des fois, on devra mettre le fer sur des températures assez élevées et du coup, le risque de brûler la semelle est d'autant plus important. Donc, soyez bien attentif à pas trop rester longtemps sur les mêmes zones du ski et bien passer rapidement.